Bon, on a abordé des sujets plutôt légers. Mais on peut aussi traiter, bon, malheureusement, ça va nous donner raison maintenant, mais des sujets plus graves avec l'humour. Voilà. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, je ne vous dis pas que de temps en temps, il nous arrive de détourner un petit peu le propos original d'une œuvre. Hein. C'est vrai. On peut peut-être aller un petit peu au-delà de ce qui a été pensé. C'est ça. Et là, on va essayer de mettre en scène, de manière plutôt marrante, quelque chose qui ne l'est pas forcément. Non, pas du tout. Au départ. C'est ça. Très bien. Parfait. Ben oui, c'est ça. J'ai raté mon effet. Ah, zut. Parfait. Donc, au départ. Bon, 3 jours de répétition, forcément. Alors, on va vous faire un extrait de La Péricole. Et ça s'appelle le trio du geôlier. Alors, dans cette scène, vous avez la personne qui vient... C'est bon. J'explique, je suis parti. Vous avez... vous me corrigez parce qu'il y a quand même des gens qui sont quand même calés sur le sujet. Ici, vous avez La Péricole et Piquillo qui sont enfermés. C'est ça. C'est bien ça. Ouais. Et vous avez le geôlier qui vient leur ouvrir et il passe. C'est autre que Don Andrés. Voilà. Enfin là, ça devient Ça devient trop compliqué. Aller, mais là, dans notre situation à nous, on l'a un petit peu transposé. Allez, c'est parti, je reprends. Broussaille, on me dit quelquefois de la tailler, et moi jamais je ne la taille. Et tant, 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 sonné, matin, et tant, 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 chantez votre joyeux tintin. Et tant, 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 sonné, soir et matin, et tant, 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 chantez votre joyeux refrain. En prisonnier d'un pagile, je vais porter la nourriture. Malgré mon air et ma bâtisse, je suis une bonne nature. Sonnez, 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 sonnez